Bonjour, nous sommes toujours dans l'ambiance du 19e Congrès national de néphrologie qui se déroule à Casablanca du 2 au 4 mars 2023. J'ai le plaisir de recevoir, je vais dire, un vétéran de la néphrologie marocaine, professeur Ben Rahem. Marhaba bik. Alors d'abord je vous félicite depuis pas mal de temps maintenant, vous êtes le directeur du CHU de Casablanca, de l'hôpital Ibn Rushd. Alors ma première question, dans votre raisonnement de médecin spécialiste en néphrologie, qu'est-ce qui a changé en devenant responsable administratif d'un hôpital? Ce qui change, c'est que d'abord, on découvre une dimension fondamentale et structurante de notre travail. Et on commence à mieux comprendre d'abord comment ça fonctionne, comment l'établissement hospitalier fonctionne et comment même, j'allais dire, un peu le système de santé fonctionne. Parce qu'on on passe de notre rôle de praticien et de soignant, mais aussi, bon, nous, dans le cas du CHU, on est des enseignants, mais on passe aussi à la gestion, et qui est une donnée fondamentale, parce qu'elle doit gérer au mieux les moyens mis à disposition et assurer les missions que l'État a données à cet établissement public, que ce soit en soins, en formation, en recherche, et même dans les programmes santé publique, et de cette gestion qui est optimisée pour assurer notre mission. Et les moyens ne sont pas extensibles et on doit absolument répondre à tous les besoins. Et ça, c'est toute une expertise et les équipes administratives sont remerciées d'ailleurs pour tout le soutien qu'ils m'ont apporté pour passer surtout l'une des phases les plus difficiles qu'a subi non pas seulement notre pays mais le monde entier, qui est celle de la pandémie Covid. Professeur Ben Rahem, moi j'ai passé une trentaine d'années au CHU de Rabat. Donc d'abord, vous êtes médecin, vous êtes néphrologue. Est-ce que vous pensez que nous médecins sommes suffisamment formés pour assurer le management, la gestion d'un hôpital? C'est vrai que nous n'avons pas de formation formalisée dans notre formation de médecin. Ça, c'est le premier point, donc elle n'est pas formalisée. Bon, on a des cours où on est sur la médecine sociale, sur les programmes de santé publique, sur les structures hospitalières. Bon, on n'est pas complètement ignorant, on n'est pas analphabète. Et en général, on propose, ceux qui se proposent à l'appel à candidature, généralement, ce sont des personnes qui ont quand même qui ont eu une expérience, qui ont beaucoup de temps qu'ils ont passé, etc. Donc, ils ont quand même appris une connaissance, j'allais dire, sur le terrain. Mais surtout, je pense que c'est très important, nous apportons la dimension médicale dans la décision. C'est-à-dire, notre tête en tant que médecin, il faut qu'on apprenne à connaître les contraintes et les difficultés de la gestion administrative, mais pour la mission pour laquelle, et donc il arrive au décideur et en général au directeur, de devoir trancher dans l'équation, la dimension médicale est importante. Et je pense que les médecins sont beaucoup plus sensibles à ça qu'un non-médecin, je pense, sans porter évidemment de jugement à d'excellents gestionnaires qui ne sont pas des médecins. Bien sûr. Alors, puisque nous sommes dans le cadre d'un congrès de formation continue médicale, le 19e congrès national de néphrologie, professeur Ben Rahem, si vous avez à donner des conseils à de jeunes néphrologues qui aspirent à devenir des responsables de services de néphrologie, que pourriez-vous leur dire? Bon, je n'ai pas de conseils, j'allais leur donner. Bon, je ne pense pas que l'objectif d'un parcours est de devenir un chef de service ou de devenir un directeur. On n'a jamais démarré notre carrière, ni de médecin, ni d'universitaire, pour être chef de service ou pour être directeur. Ça peut être des ambitions personnelles. Donc ce n'est pas quelque chose que nous allons promouvoir, etc. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est d'être un excellent médecin, c'est d'être un excellent soignant, c'est d'être un acteur social responsable et citoyen vis-à-vis de son pays à portée. Je ne pense pas. En général, tout groupe ou toute équipe a besoin d'un leader et l'État elle a mis en place le système pour que
que les leaders se proposent, que les directeurs ou les chefs de service se proposent avec des appels à candidature. Et évidemment, ceux qui sentent qu'ils ont la capacité se présentent. Donc c'est un, pour moi, c'est quelque chose d'individuel, de personnel. Donc moi, je n'ai pas à leur dire comment ils doivent faire. Les conseils leur donnent pour devenir chef service ou directeur, mais je leur dis, soyez d'excellents médecins, soyez d'excellents enseignants. Évidemment, vous êtes des citoyens, apportez ce que vous pouvez le maximum pour votre pays et pour votre société. Voilà, c'est ça. Donc, professeur Benrenem, en parlant de la néphrologie marocaine, comment vous l'évaluez par rapport à la néphrologie sur le plan mondial ? Il faut, alors, moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de chance d'abord d'avoir été l'élève d'un des pionniers de la dialyse, et en l'occurrence, professeur Driss Zeid, que lui, d'ailleurs, il a été primé par la médaille Jean-Humbourget, mais sur un thématique qui s'appelle la néphrologie solidaire. Je rappelle que c'est lui qui a mis en place le modèle associatif de prise en charge en dialyse, que ça a démarré à l'hôpital Ibn Roche, et puis... C'était la fin des années 80, début des années 90. Moi j'ai personnellement, moi j'ai démarré au service en tant qu'interne en 1989. On avait déjà l'association. Et c'est ce modèle-là, et c'est comme ça que c'est implanté le Hey Mohammedi, c'est implanté à Sta, c'est implanté à Oujda, c'est implanté à Sfi, c'est implanté à... Donc avec à Sidi Etmen et à Fès, et c'était avec Zasso. Et ce modèle-là aussi a été fait par d'autres collègues, dont le privé, qui ont démarré dans des villes. Donc c'est ce modèle associatif qui a démarré, où le ministère de la Santé met à disposition la structure et les ressources humaines, et les ONG, les Mohsinine et les bienfaiteurs, a mené le financement. Et ce modèle-là a permis pratiquement pendant 20 ans, les années 80-90, d'abord d'implanter la dialyse et de la développer à travers tout le territoire du Maroc. Et ensuite, avec l'arrivée de Sa Majesté Mohamed VI, et c'est, voilà, c'est là où la bascule a été faite, lorsqu'il a donné ses instructions au temps du gouvernement Abdelrahman El Youssefi pour faire un programme d'ouverture de 32 nouveaux centres et de prise en charge de 1500 nouveaux malades au début des années 2000, où c'était sur un budget de la primature, je rappelle. Et donc ça a démarré, et ça a créé un dynamique, et notamment... au temps du mandat du professeur Biedillet. C'est là où on a fait la dynamique, le registre Magrédial a démarré. La première stratégie d'insuffisance rénale chronique a été écrite dans le mandat de Biedillet, oui, mais elle était sortie dans le mandat de Mme Yasmine Abeddo. Je rappelle sur le programme 2008-2012, où la première fois dans l'histoire, on avait un programme national de l'insuffisance rénale chronique. Et évidemment, après est venu le partenariat public-privé. Je vous rappelle, c'était juste après l'arrivée de l'AMO. Et on l'a fait. On est la seule, d'ailleurs, spécialité qui fait ça. Et donc, ce programme-là, on a bien sûr redynamisé la greffe. On a fait les premiers prélèvements sur le traitement encéphalique en 2011. Et tout ce chemin-là, et imaginez, on est passé autour de un peu 4800 malades en 2004. On est actuellement à plus de 40 000. Je peux vous assurer que le Maroc, en tout cas, en termes de prise en charge en dialyse, on est comparable à l'Europe et nous dépassons tous les pays africains, sans exception. Sans exception, c'est-à-dire y compris... l'économie, les plus développées en Afrique. Donc le chemin, il est immense. Mais évidemment, on a décrit l'épidémiologie avec l'enquête Marema, etc. Donc on sait ce que nous avons. Mais nous devons aussi développer beaucoup d'autres choses. On devait développer la greffe rénale. Nous devons développer les autres techniques comme la dialyse péritonéale. Mais surtout, nous devons développer la prévention de l'insuffisance rénale chronique. Parce que la prise en charge... en tout cas, de la dialyse pèse très lourd sur les budgets de l'assurance maladie obligatoire. C'est 28% du budget ALD de l'AMO. Non, pas des ALD, du budget ALD AMO. Donc ça pèse beaucoup. Donc c'est le premier poste de dépense, c'est 28% pour 5% des ALD. Alors, une question un peu du management. Il y a beaucoup d'étudiants africains, subsahariens, qui font leur spécialité dans différentes spécialités, notamment en néphrologie. Donc est-ce qu'on peut considérer que le Maroc est leader dans le domaine de la néphrologie et de la formation des résidents subsahariens ? Alors je parle en Afrique. Évidemment, il y a beaucoup d'Africains. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été dans le bureau Afrique de la Santé internationale de 2006 à 2019, que j'ai présidé pendant 6 ans, de 2014 à 2019, et j'ai participé, j'ai été, j'allais dire, dans quand même
je connais un peu assez bien la néphrologie africaine. Il y a beaucoup de néphrologues africains qui ont d'abord été formés en Europe. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. La majorité des pionniers, j'allais dire même de la génération intermédiaire, ont été formés. Puis il y a des gens qui étaient formés. Ensuite, c'est vrai que le relais a été pris. Et Casablanca et Rabat, il faut pas aussi Avicenne, que sais-je, ils ont été pionniers dans la formation de néphrologues, et notamment de l'Afrique de l'Ouest, et notamment, j'allais dire, du Sénégal. Hein. D'ailleurs, le professeur Farika a été formé à Avicenne, le professeur Abdou Niang, il était formé au CHU de Casablanca, mais pas seulement. Nous avons formé des gens de Mali, de Tchad, du Niger, du Cameroun. J'ai appris du Congo. Du Congo. J'allais de Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire. Et donc, alhamdoulilah, le Maroc se positionne très bien en termes de formation. J'allais dire, il a aussi une bonne presse. Bien sûr, ils sont chez eux lorsqu'ils viennent ici. Ils sont inclus dans le service. On a trois ou quatre, résidents de néphrologie. Donc, la porte leur est toujours ouverte. Et j'allais dire, c'est aussi notre responsabilité et c'est notre devoir, j'allais dire, de solidarité entre Africains. Nous avons une sadaqa et une sadaqa. Alors, professeur Ben Ghanem, mais il y a quelque chose, j'allais dire, que nous voudrions qu'elle soit encore plus et qu'il se fasse beaucoup plus. Le Maroc, et vous le savez mieux que moi, il a été le premier pays arabe à faire une greffe rénale. Malheureusement, j'allais dire, cette dynamique a été retardée, parfois elle a été complètement stoppée. Pourquoi on n'arrive pas encore à avoir un programme national de dons et de greffe rénale au Maroc? Pourquoi? Alors, on n'a pas été le premier pays arabe à faire la greffe rénale. Un des pays. Non, t'es pas le premier, c'était la Jordanie. D'accord. Et pour le Maghreb, on l'a fait en même temps, la même année, que ce soit l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie. C'était en 1984. D'accord. Je pense, si je ne me trompe pas, mais c'était la même année, 84 ou 85. Alors, il faut absolument... Un jour, moi je vais dire, la première donnée, les équipes marocaines ont démontré qu'ils savent faire la greffe rénale. Très bien. Vivante, qui savent faire les prélèvements. Chez le donneur en état de hémocéphalique, on l'a fait. Ils savent faire greffer des organes à partir de notre hémocéphalique. On greffe des cornets, on a greffé des cœurs, on a greffé des foies et on a greffé des reins. Donc, j'allais dire, le médecin marocain a démontré qu'il sait faire. Maintenant, il a besoin de ce médicament pour faire son travail. Ce médicament s'appelle le greffon. Et c'est un don. C'est un acte d'une personne. Ce n'est pas un acte médical. Donc la responsabilité, celle de la société, dont fait partie bien sûr le médecin. Il a son rôle à jour, sa part de responsabilité. Mais il y a d'autres acteurs qui doivent aussi jouer leur rôle. Et donc pour jouer leur rôle, il faut un plan, un programme. Lorsque personnellement j'étais dans le conseil consultatif de transplantation d'organes sous la présidence du professeur Romdani, j'avais présidé la commission du don d'organes et au temps de Mme Bedou, on a sorti un plan de promotion et don d'organes. J'espère qu'il va être réactivé et repris. Et on avait fait travailler tout le monde, de tous les intervenants au niveau sociétal, parce que c'est un projet de société. C'est pas un pro... Oui, bon, on le voit, nous, le côté, tout le monde voit le côté médical, mais c'est d'abord un projet de société, parce que c'est un don. Parce que ça veut dire que moi, citoyen marocain, Mohamed Ben Ghanem, je suis un citoyen marocain, je dis, je suis solidaire avec tout résident au Maroc, qu'il soit marocain ou non marocain, qu'il peut utiliser mes organes après mon décès. Donc c'est un acte de solidarité et de mutualité le moyen au sein d'une société. Et donc et ça, ça doit être porté, j'allais dire, par le corpus et le cerveau sociétal marocain. Et évidemment, nous aussi, on doit participer, on doit faire la promotion parce qu'on a le discours, parce qu'on a la connaissance. Mais il y a aussi, on a besoin d'autres expertises, qu'elles soient juridiques, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient sociologiques, que ce soit dans l'art de la communication, les outils. On a besoin de tous les relais, dans les médias qui travaillent avec nous, qui nous donnent l'espace aussi. Hein. Donc il faut qu'on ait l'espace pour le faire. Et tout ça, je pense qu'il faut le mettre autour d'une table. Et ça sera un très joli programme. Et je suis confiant que la direction actuelle au niveau ministériel nous aidera dans ça.
très bien, nous sommes tous confiants. Et vous dites, c'est vrai, c'est un projet sociétal, mais il faut qu'il y ait une locomotive. Si on prend l'expérience en France, en Belgique, en Tunisie, en Algérie, ils ont ce qu'on appelle aujourd'hui une agence qui assure la promotion du don d'organes. Pourquoi on n'a pas encore cette agence au Maroc ? Moi, je pense que le mieux placé, c'est le ministère pour répondre à sa question. Ce n'est pas un professeur de néphrologie dans un CHU, mais je pense que l'idée est là, que l'envie est là et que Inch'Allah, dans peu de temps, elle pourrait voir le jour. Mais je pense que le débat est là et le besoin a été exprimé. Et je pense qu'il a été entendu. Et je pense que les modalités sont en train d'être réfléchies et de le même. Et évidemment, on a besoin de cette agence pour le faire. Voilà. En tout cas, professeur Mohamed Ben Ghanem, un trou de mémoire, merci beaucoup pour d'avoir répondu à l'invitation et à très bientôt avec un autre invité dans le cadre du 19e Congrès national de néphrologie. Merci, c'est Ben Ghanem.